Bonjour, je m'appelle André O. Je travaille pour le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal et je travaille pour le programme Je engager et la CARE, la coalition asiatique pour une relève émancipatrice. J'ai 41 ans. Euh, je suis d'origine chinoise. Mes parents sont des boat people et je suis né au, à Montréal. Euh, J'ai fait mes études en travail social et mes passions, c'est vraiment les enjeux identitaires. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les enjeux de, de discrimination systémique en lien avec les communautés asiatiques. Ce est important de savoir, c'est que quand les jeunes socialisent, c'est à l'école qu'on socialise. Donc, c'est vraiment dans une structure vraiment encadrée où la prise de parole, euh, le contact avec l'autorité est très, très encadré, très difficile. Donc, pour les jeunes, on n'a pas beaucoup de, de ressources ou de milieux où on accompagne les personnes à prendre parole pour exposer leurs problèmes et de trouver une solution. Prenons par exemple l'enjeu du profilage racial. Euh, comment, comment une personne issue de l'immigration dont les parents ne parlent pas français puisse, euh, soit capable de se défendre ou même dénoncer la situation dans un contexte vulnérable? Euh, Est-ce que l'enfant euh, a les compétences, euh, que ce soit la, euh, les compétences pour prendre la charge du stress, les compétences linguistiques, même les connaissances euh, légales pour faire face à ce genre de situation? Autrement dit, on force les parents à prendre le rôle d'adultes. Et ce qui est triste à travers tout ça, c'est que les parents, eux, ils ne peuvent pas supporter l'enfant quand l'enfant est vulnérable parce que l'enfant doit filtrer l'enfant ou la jeunesse doit filtrer euh, l'information ou traduire l'information, ce qui revient à une double tâche. J'aimerais vous présenter une personne que j'ai euh, connue pendant la pandémie, qui s'est beaucoup impliquée au sein de la Carine, de la coalition asiatique pour une relève émancipatrice. Bonjour. Bonjour. <laughs> Alors, je prie que tu te présentes un peu. <laughs> ah oui, bonjour. Je m'appelle Song ou Je suis euh, un étudiant de 19 ans. J'étudie euh, au collège Maria de Police à Westmount. Euh, je suis venu au Canada, je suis arrivé euh, à l'année 2012, donc c'est ma 11e année au Canada. Sanou, est-ce que tes parents parlent français ou anglais? Euh, Couramment. Ma mère parle un peu anglais, mais pas vraiment français. Est-ce que tu as été traducteur pour tes parents? Je l'ai toujours été depuis mon arrivée. Quand tu as fait de la traduction pour tes parents, est-ce qu'on t'a déjà dit? Va dire à tes parents d'apprendre le français? Je pense qu'une ou deux fois. Je ne et... m'en rappelle pas très bien, mais je pense l'avoir entendu. Euh, et comment part. ça te fait sentir? Euh, je pense que toutes les cultures dans le monde méritent d'être respectées. Je suis au courant que, je, que nous devons en effet communiquer en français et en anglais parce que nous vivons au Québec, mais ce n'est pas une autre. D'une autre main, ce n'est pas une obligation. On ne peut pas nous forcer à aller apprendre l'anglais et, et le français. Et également, je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de le spécifier. Nous allons le faire nous-mêmes, même si on ne nous dit pas d'aller apprendre le français ou l'anglais. Et comment ça te fait sentir quand on te dit ça? J'étais fâché, en effet, parce que c'est pas vraiment, euh, comment dire... Euh... Je pensais qu'ils étaient en effet en train de se moquer de nous, d'une manière. Okay. Ou de ne pas montrer de respect envers notre culture. C'était irrespectueux. Hein? Oui, oui, d'accord. Euh, la santé, hein? um, pour s'intégrer dans une société, il faut être en santé pour pouvoir travailler, pour, pour, pour être autonome. Alors, le fait que les, les parents... Les adultes issus de l'immigration ne peuvent pas avoir des soins, ou encore d'autres services d'information ou de soutien euh, adaptés à leur contexte linguistique. On compte beaucoup sur les enfants pour faire de la traduction, ce qui fait que ça fait une charge à l'enfant, mais aussi une honte et un stress, la peur de se tromper, euh, le stress de, de rendre sa famille encore plus vulnérable. Parce qu'on n'a pas réussi à bien faire une traduction, ou même à résoudre des conflits qui ne reviennent pas à l'enfant, par exemple négocier un prix, euh, appeler la police pour une situation de violence, ou encore même annoncer la, mal la maladie d'une famille, de, de demande de la famille à, à, à la personne concernée. Alors, euh, s'informer, dénoncer, comprendre. C'est déjà des actions très, très difficiles dans un contexte d'injustice. Alors imaginez quand on rajoute à ça des barrières linguistiques. Sango, j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience en termes de, de discrimination systémique En termes de discrimination systémi systémique... Euh... Ça a commencé quand j'étais très jeune. Quand je suis arrivé, j'avais 9 ans. Donc, ça a commencé dès que je suis arrivé. Mais à l'époque, je n'étais pas conscient que ça consistait d'un racisme, d'une discrimination systémique. Parce que j'étais trop jeune, j'étais trop jeune pour le savoir. Mais aujourd'hui, je sais que je réalise qu'en fait, c'était du racisme. Et c'était vraiment lié avec les, les langages les, les des des problèmes de langue parce que je pouvais pas parler anglais ni français quand je suis arrivé ici et je pense qu'il y avait des personnes autour de moi qui n'étaient pas nécessairement des amis des, qui ont utilisé mes faiblesses à leur avantage et qui ont qui n'ont pas traité qui m'ont pas traité de la même manière qui traitaient ses amis à eux on te traitait différemment parce que tu ne maîtrisais pas l'anglais ou le français. C'est ça. OK. Et à l'école aussi, ça, comment ça se manifestait au sein de, de, des professeurs ou euh, pendant les cours? Pendant les cours, quand j'étais en primaire, je m'en rappelais pas très bien, mais je pense que les professeurs étaient conscients de ce problème, donc ils ont fait quand même des efforts pour traiter tous les étudiants de la même manière. Mais au entre les amis, je pense que c'était un peu différent des, des attitudes des professeurs. Est-ce que tu as vécu des situations de violence ou d'intimidation ou de, euh, de, de, de... de se faire ridiculiser, en fait, parce que tu ne parlais pas bien les langues? Ah oh, oui, une ou deux fois dans, dans mes premières années au Canada. quand J'étais jeune et je ne pouvais pas maîtriser la langue, comme j'ai précisé. Et il y avait un groupe d'amis euh, d'origine québécoise, si je me rappelle bien, qui m'ont euh, sous-estimé, en effet, et qui, ont, euh, qui ont commis des, ac des actions violentes pour m'intimider, en fait, je pense que c'était le, le propos. Oui, c'est ça, ils m'ont intimidé physiquement, physiquement et euh, psychologiquement, avec le, leur, leur langage euh, mm -hmm. inapproprié. Est-ce qu'il y a une autre situation à part euh, les enjeux de langue que tu aurais vécu du racisme ou de la discrimination systémique? Je pense que c'est aussi pour mon apparence parce que euh, je ne suis pas très euh, grand physiquement et en plus de ça, je suis d'origine asiatique donc je pense que ça a joué un rôle en plus. À, à s... Je dois reformuler la phrase. Donc, je ne suis pas petit et je suis d'origine asiatique, donc je, je pense qu'ils ont aussi utilisé cet effet à leur avantage et m'ont sous-estimé à euh, être leur, euh, leur victime et leur... Euh, en fait, leur jouet. OK. D'accord. Donc, on profitait du fait que tu sois plus physiquement plus vulnérable ou au moins euh, pour euh, faire de l'intimidation. Oui. Sans où tu avais parlé des enjeux d'intimidation et de euh, traitement injuste de la part des, des camarades de classe parce que tu ne parlais pas les langues français ou l'anglais, et aussi parce que euh, physiquement tu étais plus petit que ces personnes-là, donc tu as dû vivre des, des violences. J'aimerais savoir, est-ce que l'école était au courant de ces situations-là et est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour prévenir ces violences-là? Um, je ne m'en rappelle pas très bien, mais je ne pense pas qu'ils étaient vraiment au courant quand l'intimidation a commencé, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui surveillaient les élèves quand, quand ils sont euh, dans les cours d'école ou quand, donc dans le couloir En fait, en général, il n'y a pas beaucoup de surveillants. Donc, euh, à, la première, euh, à la première fois que c'est arrivé, je ne pense pas qu'ils étaient au courant de la situation. Mais quand je leur ai... Quand il y avait une violence physique qui m'est arrivée, c'est là qu'ils étaient au courant de la situation, puis ils ont en effet fait quelque chose pour régler. Mais je pense qu'ils m'ont aussi mis comme. Ils m'ont aussi blâmé d'avoir utilisé la violence. Mais en effet, c'était juste pour me défendre. On t'a aussi blâmé d'avoir utilisé la violence. Est-ce que tu avais une opportunité d'expliquer la situation? Je ne pouvais pas m'expliquer parce que je n'étais pas très à l'aise à parler en français. Ok, d'accord. Donc, on t'a tenu responsable d'une agression alors que tu te défendais Partiellement, oui. D'accord. Est-ce que tu aurais vécu une autre situation de, de, de discrimination, mis à part ce qui s'est passé à l'école euh, Oui, euh, j'ai en effet vécu une, une situation avec la police. C'était aussi dans mes premières, premières, premières années au Canada, quand je pouvais parler un peu en français, mais pas très bien. J'étais euh, en train d'aller faire le marché avec ma mère à, à mon côté qui conduisait, puis on, on nous avait arrêtés. Et je pense que l'attitude du policier était un peu différente euh, envers nous, parce que je pense qu'il disait qu'ils étaient au courant, qu'ils ne pourront pas bien nous défendre, parce qu'ils ne pourront pas bien nous exprimer en anglais ni en français. Et je pense qu'ils ont utilisé ça à leur avantage pour euh, nous charger, au lieu de nous sensibiliser à, pour que euh, la situation ne puisse pas se reproduire. Ils, ont, ça, ils, nous ont, ils, nous ont, ils nous ont chargés et puis ils nous ont blâmé. D'accord. Avec ton expérience en gros, qu'est-ce que tu recommanderais justement pour qu'une autre personne issue de l'immigration pourrait avoir une meilleure expérience à son processus Alors, Premièrement, je pense que l'éducation serait une, une solution efficace pour que les situations de ces gens ne se reproduisent pas. Je pense que pour, pour les, les coupables qui ont commis les racismes systémiques, je pense qu'il leur faudrait une éducation spécifique à cet effet. Et, comprennent, et je pense qu'ils comprennent que toutes les cultures et ethnicités dans le monde méritent d'être respectées et qu'ils euh, qu ne peuvent pas les, euh, se montrer irrespectueux. Et oui, et je pense que l'éducation serait une solution efficace à cet effet. Et de ma part, je, je voudrais m'adresser. Euh, aux jeunes immigrants, que, et j'aimerais qu'ils qu réagissent avec courage à, à la face de ces situations qui ne sont pas plaisantes, en effet. Oui, j'aimerais qu'ils réagissent un peu plus fort avec courage pour que les coupables qui, qui leur discriminent soient au courant qu'ils ne sont pas plus d'être traités à cette euh, de cette manière-là. Pour faire suite aux propos de Samu, euh, il a recommandé l'éducation et aussi, euh, il a invité les personnes issues de l'immigration à prendre parole avec courage. Je, je vais enrichir les propos en disant que dans l'éducation, euh, je pense que promouvoir les enjeux intersectionnels, promouvoir l'inclusion, valoriser le Québec avec euh, ses diversités sont vraiment des formules à, à, à prioriser. Euh, en fait, qu ce qui est souvent partagé entre euh, les groupes euh, immigrants, c'est que nous sommes perçus comme des menaces culturelles et linguistiques à la, au Québec. Alors qu'en réalité, les personnes issues de l'immigration sont reconnaissantes et euh, très enjeux de vivre euh, au Québec et apprécient les valeurs québécoises. Et ce serait dommage qu'on euh, ne puisse pas avoir le temps. De s'enraciner au Québec et que déjà on nous menace d'être, euh, on nous, on nous somme d'être des menaces culturelles au Québec. Concernant prendre parole et avoir le courage de dénoncer des situations, je pense qu'il est important d'investir au sein des euh, organismes communautaires parce que c'est le filet de sécurité, c'est le filet social des communautés vulnérables. C'est des milieux où justement on a l'espace de parler, de partager nos, nos, nos vécus, mais aussi de développer des compétences, de développer des savoirs pour ensuite les intégrer et passer à l'action. On ne peut pas dénoncer euh, une, une agression, une violence euh, du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de ressources, comme on ne peut pas apprendre le français euh, en six mois. C'est apprendre une langue, vivre une, une culture, c'est une question de, de génération.